Mesdames et messieurs, bonjour, je me présente Sam, a.k.a. Hunter, a.k.a. Chasseur de primes, a.k.a. Indiana Jones, a.k.a. On m'a dit que mon intro vous marque, vous manque, vous... Apprends à parler français, Sam. Vous manque. Let's go, générique. On peut voir ça à TikTok. Générique. Salut à toutes, salut à tous, c'est votre gars Sam aka Zomi, ça fait longtemps sur cette chaîne, ça doit faire quoi, 5, 6, 7 jours, ouais, je vous ai pas vu le temps passer, pour ceux qui me suivent sur les autres chaînes, vous savez que je suis actif. Bref, on est reparti aujourd'hui avec un nouveau défi, tu connais déjà la chanson, essayez de ne pas rire, même pour vous, moi j'ai le droit de rire, c'est vous, un sourire, un like. Et au passage, si vous voyez des TikTok qui vous font marrer, etc, taguez-moi, voilà mon TikTok qui apparaît à l'écran tout de suite, voilà, vous êtes, ça fait plaisir quoi, on est parti, c'est bien, ok, ça a été ta semaine. Pourquoi je chante, je sais pas. Let's go. Qui sera le meilleur tricheur? 1, 2, 3. C'est nous qu'on mettre des tartes aussi. Ouais, de la vitesse. 1, 2, 3. Oh, ça, je le faisais tellement quand j'allais à la piscine, ça. Noni. Pourquoi tu ris? Non, pourquoi tu ris? T'insinues quoi là? Ouais, le énième cliché du Renoir qui sait pas nager. T'as raison, je sais pas nager. je sais nager. Oh! Faut arrêter de juger comme ça en 2022, Kev. C'est quelle histoire ça? Ah, les deux ils trichent en fait. Ok. Fais la meuf riche mais elle dort à l'hôtel avec un vieux en train de la dorloter. Fais pas gérer tes affaires, je reprends. Fais pas semblant, toi-même tu me... J'arrête pas de voir cette trend sur TikTok. Les gars, qu'est-ce qui vous est passé? J'en ai parlé en live encore récemment. Qu'est-ce qui vous passe par la tête, les frères? Non. Moi, je dis récemment, on ne vous vanne plus assez à l'école. J'aime ça même faire des TikToks aujourd'hui. Les mecs, ils font des TikToks à l'école normale. Vous ne vous vannez plus? Je dis pas d'harceler, mais vous ne vous vannez plus? Vous êtes trop à l'aise pour faire des TikTok comme ça, pour vous dorloter. Mais impliqué, il pense quoi de son soir après ça? Et à chaque fois que je vois ça sur Twitter, parce que naturellement les mecs font tourner ça sur Twitter, c'est toujours des mecs qui s'amusent à cette trend entre mecs. Si vous avez des choses à nous dire, dites-nous les frères, dites-nous. Moi c'est comme ça que je comprends ça. Big fat. Écoute-moi bien, ma femme ne doit pas chier. Elle ne doit pas pisser, elle ne doit pas avoir ses règles, elle ne doit pas péter, ok? Moi! Ma femme me pète devant moi, tu sors. Tu sors de... Non! Je te vire de la maison, d'accord? Tu ne sors pas, je te vire. Le prof m'a demandé qui était le plus grand docteur des États-Unis. J'ai répondu, Dr. Dre. Yes, sir! It's about good show, man! Les mangas en VF. Tu devrais regarder tes animés en japonais. Mec, tu vas pas recommencer. Moi, j'aime bien en VF, d'accord? Ah, c'est moi, en ça. En japonais, c'est mieux. T'exagères, ils sont très bien, les VF. Certains, ouais. Mais il y a des doublages. C'est à mourir de rire. Vas-y, je te donne 10 balles si tu me trouves une VF éclatée. Sale voleur, je suis le voleur, je suis méchant. Vraiment méchant. Je me rappelle spécialement de cette scène parce que quand je vais au Bled à l'époque, on regardait beaucoup Nicky Larson. Et cette scène, on se tapait tellement des barres avec mes potes. Je suis méchant. Ouais, je vais faire bobo. Ah, mais regardez bobo. Ouais, dis-toi ou bien je te fais sauter la cervelle. Tu devrais regarder. Je t'ai fait bobo. Ah, une belle époque. Je maintiens ici. Vous connaissez pas. Ceux qui sont matrixés par la VO, arrêtez. On a grandi avec le club Dorothée, tout ça. On kiffait. D'accord? Fermez vos gueules, arrêtez de... Bon, j'avoue, aujourd'hui, c'est compliqué quand même de s'asseoir et de dire, je vais regarder un truc en VF. C'est que t'es bizarre aussi. Mais les anciens comme nous, comme ça, là, tu vois, on kiffait. T'es allé dormir chez ton pote qui a percé au foot du jour au lendemain.
Akanaka, Anunaka, ma banana. Ma banana, banana, ma banana, banana. Ça a signé là, quel bail, oui. Ça a signé. Gros, c'est incroyable comment ce chien déjà il tombe déjà. Comment il fait pour tomber comme ça? Genre, il y a rien qui fait en sorte qu'il puisse tomber. Je comprends pas comment il tombe. Attendez. La VAR, s'il vous plaît. Il met le pied dessus, ça se casse et il tombe. Genre, il a même pas glissé. Genre. C'est des chiens bêtes comme ça, frère. J'ai un bad bête, mon frère. Tu survis au tsunami en faisant du surf. Hey! MDR, MDR, mais c'est pas con. J'avoue, c'est le même délire qu'avec la salle de bain. Tu sais, quand il y a du feu chez toi, tu vas dans la salle de bain et t'allumes l'eau, tu vois. C'est le même délire. Après, on en avait parlé et c'est une question de fumée, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas con en vrai de vrai, tu vois. C'est comme pareil, on dit, ton immeuble est en feu, tu sautes, tu tires ton t-shirt et ça te fait un parachute, tu descends, tu vois. C'est le même style, tu vois. What? Tu vois, il faut y penser. Après, si tu considères ta vie comme un animé. How girls are when play fighting. Comment les meufs sont quand tu joues à la bagarre avec elles? Babe. Come on now. Babe. Come on stop. Now. Come on, weakling. Please stop. Come on, what you gonna All do? Right. What you gonna Keep do? Keep playing. What you gonna do? Don't move. Oh, my back and my neck, babe. Babe. Come on now. Babe. Ah, c'était tellement réel. Je crois que c'est avec vous qu'on avait regardé la vidéo où un mec et une meuf jouent. Genre, ils se mettent de l'eau dans la bouche. Et en gros, le but, c'est de... Ils se giflent avec des espèces de pâtes à tarte, je crois. Et au bout de la première gifle, la meuf, elle commence à pleurer de fou. Alors que le mec, là, même pas... Mesdames, vous êtes fragiles. Vous êtes fragiles. Il faut se l'avouer. Vous êtes fragiles. Tarte. Papa. Hello. The toilet smoking. Les toilettes fument. What? The toilet smoking! What do you mean the toilet smoking? Come free, the toilet smoking! What do you mean the toilet smoking? Dada! Ils sont cons! J'avoue, c'est pas con! C'est pas bon! Et quand ta meuf a une voiture et qu'elle vient te chercher après? You thought I was killing you? C'est fou comment ce son m'est rentré dans la tête. J'ai découvert ça au début, je trouvais ça flingué. Mais you know what's funny? Now they got money. Na 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 na. You thought I was killing you? Damn, nigga, munch. Nigga, either he ate it for lunch. Bitch on my body, I get what I want. J'ai vécu ça parce que quand j'étais en première, je sortais avec une meuf, mais carrément la réaction était bad, bizarre parce que. Déjà, c'est elle qui était venue me draguer, tu vois, à l'époque. Tu sais, je sortais des cours et tout ça. Elle arrive en ride. Elle a garé, t'as vu? Elle a garé, elle m'a dit, ouais, je te dépose, tout ça. Eh, ok. Quand c'est une fille qui fait la démarche et qu'elle est un temps soit peu fraîche, en vrai de vrai, et quand elle a une personnalité un peu, voilà, en vrai, elle conclut. Et elle a conclu avec moi, tu vois. Donc, du coup, la plupart du temps, c'est elle qui a la voiture. Bon, elle dépensait pas, généralement, c'est moi qui en sortais, c'est moi qui payais, quand même. Mais le truc de voiture, je viens te chercher, tout ça. C'était moi, ça, tu sais, je me mettais du maquillage. J'ai fait un site. Pour les orphelins, il n'y a pas de page d'accueil. Ah. Gros, j'explique vraiment ou pas? On m'a dit ça, m'arrête d'expliquer les vannes. Je sais pas, ok, j'explique pas. Je vais vous donner la solution pour gagner au loto. J'ai remarqué que tous les perdants avaient perdu tout simplement parce qu'ils avaient coché les mauvais numéros. Donc j'en ai conclu que pour gagner, eh ben, il suffisait de cocher les bons numéros. Voilà, c'est aussi simple que cela. Je vais vous donner la solution pour gagner. Normal. Bah oui. Alors, c'est évident. Pourquoi on n'y a pas pensé? Bah oui, bon, ils arrêtent pas de perdre. C'est vrai qu'ils cochent les mauvais numéros. Donc on va cocher. Je sais pas s'il il a fait cette vidéo au premier degré. Oui, il est trollé. Il coche les mauvais numéros. Mais vous avez qu'à cocher les bons numéros. Bah oui, frère. Bah oui, c'est aussi simple que ça, ma gueule. Better ingredients, better pizza, better bitches, better money, my clothes better, my shoes better, I work harder, fuck Little Caesars, fuck Domino's. Better ingredients, better pizza,
Better bitches, better money, my clothes better, my shoes better, I work harder. En plus, je voulais m'acheter un iPad là. Je vais en acheter un, mais je sais pas si je vais l'acheter, je vais pas l'acheter maintenant. Plus tard, parce qu'en vrai, de vrai, ça facilite la vie, en vrai, de vrai. Il est quoi, à 500 balles? Lâchez un like, abonnez-vous, laissez les pubs, s'il vous plaît. the queen died, la reine est morte. The queen has died. Oh my god, Beyoncé? No. Queen... C'est vrai? Queen B? Oh my god, Beyoncé? Oh, bro. Queen has died. Ah, I'm dead. Oh my god, Beyoncé. Le coach. Il imite tellement bien, en vrai de vrai. Il imite bien cette gestue-là. C'est des gestes que tu le vois souvent faire, par exemple, quand il est peut-être en live sur Instagram, etc. C'est des petits gestes comme ça, il fait à merveille. What tell ya? Are you okay? You're welcome. Ah, putain, ça me flatte. À chaque fois, je me fais avoir par ce truc de merde. thank you, man. Mais j'ai sursauté, de toute façon. Vous avez sursauté ou pas? Dites-moi en commentaire, vous avez sursauté? T'as 9 ans et tu dois prendre ta douche. Bro, j'ai jamais compris les gens qui faisaient ça à la vie, toi. Moi, j'ai toujours été un enfant propre, en vrai de vrai. Non, j'abuse. Là, je me rappelle deux fois où je vais jouer. Une fois spécialement, je me suis battu avec ma grande sœur. Oui, petite histoire que j'ai déjà racontée en live, mais je vais vous la raconter, ok? Je rentre du foot, ok? Foot de l'après-midi, tout ça. C'était au bled à l'époque. Je rentre du foot, bête de sable. Parce qu'en plus, chez nous, là-bas, à l'époque, je pense que ça a pu changer. Mais on jouait vraiment sur du sable. Du coup, c'était vraiment... Tu finis de jouer, t'es vraiment sale, vraiment de fou, tu vois. Et je rentre ce soir-là. Ma soeur est venue passer le week-end avec mon père. Parce que moi, j'habitais avec mon père. Et ma soeur habitait avec ma mère, ok? Bref. Du coup, ma soeur vient passer le week-end à la maison. Et elle est avec moi, tu vois. Sauf que ce soir-là, je vais pas me laver, tu vois. Sauf que ma grand-soeur commence à me dire, ouais, si tu ne laves pas, tu dors pas avec moi. What? Ma chambre, mon lit? Je dors comme ça. Et on s'est embrouillé, ok. On s'est embrouillé parce que du coup je voulais pas dormir laver. Et je crois que j'ai fait une prise de catch comme ça là, tu vois. Tu parles à qui comme ça? Après mon daron est venu, il m'a allumé, frère. Je crois que j'ai perdu connaissance parce que je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé après, tu vois. Finalement je me suis lavé. Dieu, à chaque fois qu'on retombe dans le péché. Mais il y a des gens qui comprennent pas les choses ici. Pourquoi ce filtre ressemble à un de mes oncles comme ça? Faut que j'envoie ça à FC. Ce filtre ressemble trop à un de mes oncles quand mon oncle commence à gueuler. Mais il y a des gens qui comprennent pas les choses ici. Ah, papa God, excuse-nous. C'est pas évident parfois. Bro, ce filtre il est grave chelou, je fais pas ça à mon oncle. Bref, YouTube. C'était votre gars Sam, aka Indiana Jones, pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon moment. J'espère que vous avez réussi à esquisser un sourire au coin du visage. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur petit like. Et c'est possible à venir sur TikTok et à m'identifier sur les choses sur lesquelles vous passez et qui vous font marrer. C'est comme ça que le format pourra perdurer dans le temps. Voilà. Merci du soutien. Abonnez-vous, n'oubliez pas, ça c'est super important. Et on se capte la prochaine fois. Peace.